Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Twit Twit Twitsy? Cette phrase prononcée par Al Johnson dans le film Le chanteur de jazz d'Alan Crosland résonna dans les salles obscures avec un écho sans précédent dans la jeune histoire du cinéma. Les films parlaient et le premier personnage à s'exprimer sur grand écran fut Jackie Rabinowitz. Fils d'un vieux chantre d'un chœur de synagogue, Jackie refuse de suivre la voie toute tracée à laquelle le vouait sa famille. Il voulait faire de lui un chanteur religieux. Il veut monter sur les planches pour entonner du jazz. Il est donc chassé de chez lui et débute alors pour lui une vie dédiée à sa passion. Jusqu'au jour où il apprend que son père, malade et incapable de tenir sa place, vient d'exprimer le souhait de le voir chanter à sa place. Le chanteur de jazz doit alors faire un choix entre sa carrière et sa famille. L'histoire de ce film n'a rien de révolutionnaire. Beaucoup diront, à juste titre, qu'il n'est entré dans l'histoire du 7e art que pour la révolution technologique pour laquelle il est reconnu. Mais pourtant, l'histoire de ce juif cherchant à se faire une place dans le show business ressemble étrangement à celle des frères Warner, producteurs du film. Au fond du gouffre, ils misèrent tout leur avenir sur un coup de dé, le Vitaphone. En s'associant avec Western Electric, la Warner développe ce procédé permettant de coupler le son à l'image et révolutionne l'industrie cinématographique. Ils sortiront alors, en 1926, Don Juan, déjà d'Alan Crosland. Et pour la première fois, lors d'un long métrage, le son est synchronisé avec les images. Frankly, my dear, I don't give a damn. Toutefois, il n'est pas parlant. Ce ne sont pas des dialogues, mais des chants plus faciles à synchroniser. Il faudra attendre quelques courts-métrages, comme une scène dans la plantation, aussi sortie en 1926 et avec Al Johnson, puis le chanteur de jazz en 1927, pour que les films parlent enfin. Et la Warner ouvre une nouvelle page du cinéma. D'autres avant elle ont préparé la voie de l'union entre le son et l'image. Edison, avec son phonographe, qu'il voulait associer au kinétoscope en 1894. Léon Gaumont, en 1900, profitant de l'exposition universelle pour diffuser des scènes courtes, projetées avec du son. Ou encore Eugène Lost, qui enregistra le son à même la pellicule. Mais ce fut bien le Vitaphone, porté par le chanteur de jazz qui devint le point de départ de ce changement majeur au cinéma. Lors de ses balbutiements, le cinéma parlant fut, à l'instar de tout progrès, vivement critiqué, traité de bavardage inutile par les plus grands experts et des grands noms de l'industrie comme Chaplin. Il relèguera le muet au passé et poussera vers la sortie les désormais anciens géants, Buster Keaton, G.W. Griffiths et bien d'autres pour se façonner un avenir nouveau avec des visages nouveaux comme Humphrey Bogart. Certains parviendront à s'adapter. Chaplin en est le meilleur exemple, lui qui, après avoir critiqué, usera du procédé pour nous offrir de nouveaux chefs-d'œuvre comme Le Dictateur. De nos jours, un film sans voix serait étrange, tant nous sommes habitués au dialogue, au monologue et au punchline que l'on peut citer entre amis. You talking to me? Entendre les voix des acteurs est une norme dont nous aurions du mal à nous détacher. Cette norme nous fut apportée par un film à l'histoire banale, contant la vie d'un chanteur de jazz, un rêveur désirant plus que tout s'exprimer. Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!